Salut à tous les amis, ça vous allez très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Attack on Titan épisode 8. Il s'est passé énormément de choses dans l'épisode 8 de la saison 3. Il s'est passé tellement de choses que je peux pas tout dire comme ça. Déjà, on commence sur les chapeaux de roue avec Raze qui se transforme, il est immense. Ils ont même dit qu'il fait deux fois la taille du Titan Colossal. Vous vous rendez compte, le Titan Colossal faisait, à mes souvenirs, je crois que c'est 50 mètres. Je crois que c'est 50 mètres. Donc il fait 100 mètres, 100 mètres. Donc il est immense. Donc il peut même pas être debout, en tout cas dans l'épisode 8 on l'a pas vu debout. Il était toujours allongé, il marchait allongé. Enfin il marchait, il rampait allongé. Donc voilà, donc ça commence sur les chapeaux de roue à cause de Raze qui lèche. Il a léché, il s'est transformé. Il est immense, il est immense. Jusqu'à il a même tout. En fait il y a une grande scène d'épique, une grande scène épique où Historia sauve Eren, elle essaye en tout cas parce qu'après elle se fait repousser sur le mur, après hop, il y a le bataillon d'exploration qui arrive et qui les aide avec Kenny lui s'est dit oulolo ça craint, il s'est barré hein. Il s'est barré très 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 loin. Et là, Eren réfléchit, et il se dit qu'est-ce que je peux faire, je sers à rien, à cause de moi il n'y a que des ennuis, comment je peux les aider? Donc il réfléchit, après tout d'un coup il y a les souvenirs qui remontent. Et là, il se dit, il a vu le flacon à droite, armure, il a pris le flacon, il a couru devant le titan, il a mordu, il s'est transformé, et là, il a mis plein de cristaux, on va dire ça, plein de cristaux un peu partout, comme mur, parce qu'il a pris le flacon, armure, donc tout s'écroulait, et donc il s'est dit, hop, je prends ça, hop, armure, direct. Et ça a marché, et pour la première fois, il arrive à s'auto quoi déjà? S'auto congeler, on va dire ça, hein. Non, s'auto cristalliser, je sais pas comment c'est, mais en tout cas, c'est la technique des titans pour se cristalliser. Donc il a réussi. Hop, donc après il y a le bâton d'exploration, ça il le sort de son titan. Ils l'ont réussi, je sais pas comment par contre, parce que avec l'armure, tout ça, je sais pas comment ils ont fait. Donc hop, ils ont réussi à l'enlever ici. Ils l'ont enlevé. Et là, il se dit. Tout le monde se dit, mais c'est bon, t'as enfin réussi, etc., etc. Et là, c'était épique avec la musique, etc. C'était le feu de Dieu. Il s'est passé énormément de choses dans cet épisode. C'est pour ça que c'est maintenant un de mes épisodes préférés, bien sûr. L'épisode préféré et qui m'a le plus choqué, c'était la saison 2. L'épisode 6, vous l'avez pas vu. En haut à droite, il y a la petite notification pour voir la vidéo. J'ai réagi comme un ouf parce que j'étais choqué. Mon chat qui fait ce bruit là. Attendez, là, mon chat il est en train de bouffer un truc là. Arrête de bouffer. Après, sur le chemin du retour pour aller, parce que le titan c'était un membre de. C'était Raze, c'était le père Raze. Et lui, il voulait absolument aller au. En fait, dans un district, mais j'ai oublié le nom déjà, district Oakford, un truc comme ça. Attention, je vais vous le mettre quelque part. Et quand ils sont partis au district, sur le chemin. Jiren, etc. Réfléchissait sur comment on peut le vaincre, comment on peut le tuer. Et quand ils réfléchissaient, ils se disaient, si je me laissais bouffer, c'est pas grave. Au moins comme ça, il y aura plus de problème, tout le monde serait tranquille, etc., etc. Les autres, ils disent non, etc., etc. Ils disent non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Surtout Mikasa qui kiffe Eren. Elle, à mon avis, elle est amoureuse. Hein. Oulala, elle est amoureuse, elle. Mais qui kiffe Eren, etc. Elle a dit non, c'est pas possible, arrête de dire des conneries, etc. Et quand ils sont arrivés au district, c'est là où on apprend que Historia va devenir reine. Va devenir reine et aller au trône. Historia, et elle qui disait qu'elle en a marre de la famille Rey, etc. Elle veut un petit peu se libérer, elle s'est dit c'est pas grave, je vais aller sur le trône. Voilà, elle a dit je vais aller sur le trône, un point barre, c'est tout, c'est pas grave. Après, s'arrête l'épisode. Sur ce coup là, l'épisode s'arrête. Tu te dis mais attends, moi je veux voir la suite, moi je veux voir quand le titan il va arriver au district, etc. Bah non, faut attendre dimanche. Ah voilà, bah. Donc lundi, il y aura l'épisode 9. Si tout se passe bien, il y aura l'épisode 9. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage, un commentaire. C'est très important pour le référencement de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, ciao. Et à la prochaine fois. En tout cas, l'épisode était magnifique.